Dans la chambre froide. Dans la chambre froide. Où il y a tous ces glaçons là que vous préparez pour les animaux. On a des glaçons pour les petites primates, on a des glaçons pour les tapirs, pour les loutres avec le poisson, on a des glaçons avec, avec des poussins, pour les carnivores, on a du poisson, des glaçons avec du jus de viande. Il y a des animaux qui ont cette faculté de pouvoir aller lécher le glaçon, mais quasiment tous les animaux ont des glaçons. Là, on a fait maintenant des glaçons avec des branchages à l'intérieur pour tous les animaux qui s'alimentent de branchages, en fait, pour pouvoir venir chercher le branchage, mais en même temps pouvoir se rafraîchir. Bon, elles savent que vous êtes là en tous les cas. Bah, les loutres, oui, dès qu'elles entendent les clés ou dès qu'elles entendent. Les clés, c'est... elles savent que c'est nous. Les tapirs, c'est des animaux qui vont passer, quand il fait extrêmement chaud comme ça, qui vont passer quasiment toute la journée dans l'eau. Là, comme vous leur mettez cas, des glaces de légumes. Là, c'est des glaces de fruits et de légumes. C'est joli en plus. Ok. Ah, vas-y, les courageux, n'est pas téméraire. Hein. Donc là ça va les occuper aussi un moment, parce que le glaçon va, comme on peut le voir là, va un peu couler, il va forcément bouger parce qu'ils n'arrivent pas forcément à le, vu que c'est gros, à le prendre entièrement. Et ensuite une fois qu'il va fondre un peu et qu'ils auront bien léché, les fruits vont aussi s'éparpiller un peu. Donc ils vont quand même passer pas mal de temps. Et aux flamants, vous leur donnez pas de glace? Non. Non, c'est la plupart, enfin chez les oiseaux, la plupart des oiseaux, on passe ce réflexe-là de venir lécher. En fait, les seuls qui seraient capables de faire, c'est tout ce qui est perroquet.